Star Trek, parce que je veux faire du party. Puis cette année que Captain Kirk il niche les couilles à Solo. Solo c'est un Chinese. Ces machines payent pas. Il y a des machines sur l'Enterprise puis on peut pas gagner. C'est pour subventionner la fédération. Mais moi je fais du party. Puis je vous dis que le table il est bien bon. Comme à Tim Horton. Puis Gabi, je suis revenu dans la TV. Je m'en viens te hanter pour l'Halloween. Puis Mike Ward, il s'en vient te faire, Gabi, avec son antenne satellite. C'est le fantôme de Dan DeMann, puis le squelette Jean Ferré qui vient de se venger de Gabi. Gabi, le Mozart Gabriel. Gabriel, le Mozart des temps pourris. C'est comme la tempête en Haïti, ça. Moi, je fais du party avec le miroir des aurores. Je me regarde dans le miroir, puis qu'est-ce que je vois? Un gros patate comme Rob Ford qui craque, puis qui freebase, puis qui craque encore, puis qui freebase encore. Moi, je suis revenu dans la cassette. J'ai éteint la TV parce que Star Trek, c'est pas mode, c'est pas bon. Qu'est-ce qui est en mode? C'est les cartoons de Dan DeMann. Les petits bonhommes animés de Dan qui font du cocaïne. Parce que Dashboard est revenu. Dashboard qui est plein de cocaïne dans la cale. La cale de Dashboard est pleine de Boardman. On va couper ça avec du speed. On va dealer la poudre. On va la dealer. Comme ça, on va pouvoir sniffer plus pour moins cher. Puis freebase plus pour moins cher. T'en veux-tu du freebase? En flow, man. Je te fais ça pas cher, du freebase. Du freebasing, c'est freebase, man. C'est freebase, man. C'est peace and love. C'est fucking Arabic gold or butt, man. C'est de la coke halal. Hey, halal, ma coke. Elle vient du Moyen-Orient, man. Ben ouais, c'est même de la coke juive qui a poussé de la montagne du Liban, man. Elle est bonne, la poudre, man. Elle est piratée aux trois, la coke est transcendantale. Elle fait transformer le métal transfuge dans la cuillère comme Louis du casino, man. La pointe de la fourchette est plantée dans la cuillère et le métal transfuge avec la chandelle que je vais freebaser quand je vais prendre la cuillère pour freebaser la coke dans la montagne à Saint-Adolphe avec Bernie Brownie Coquette, Crackhead T. Brownie Bernie, Crick Crack, Crick Crack, Crack, Alan Kynes comme les Rice Crack Peas, les Rice Crack Peas de Crick Crack, Crack, Alan Kynes, Crick Crack, Crack, Alan Kynes, Crick Crack, Crack, c'est Pinky, Jinky, pis Paki, man. Paki, deal, man. Il prend l'avion, il paye 400$ son billet dans son petit sac, là, tu, pis il avale une capote, là, comme Jack, la capote avait pété dans son ventre, il était sorti d'avion en ambulance. Il a fait un overdose, man. Il voulait payer son ticket gratis, il a avalé de l'héro, pis de la poudre de l'Inde, man, du Népal. Pis Gingras, il avait du hache népalais, pis on a fumé du népalais, pis le népalais était coupé à l'opium. Mais il est pas bon comme mon coke, il est freebasing, man. Le freebase, c'est le cocaine, parce qu'on a pris les champignons magiques avec le magic
table of the Ouija, man. Puis quand on a joué à Ouija, on était sur les manches. Puis on riait quand ça allait sur non. Puis on se mettait à rire aussi quand ça allait sur oui. Puis quand on a demandé si on voulait... Si on allait faire beaucoup de coke cette année, c'était, on voulait le faire exprès pour le mettre sur le oui, mais les fantômes ils ont pogné le Ouija pis l'ont envoyé sur le non, man. Pis là on a eu peur, pis on a tout arrêté la poudre pour 2 semaines. Après on a dit ça doit être une table truquée, fait qu'on a brûlé la table. On a brûlé la table de Ouija, pis guess what buddy, my friend? Le lendemain, j'ouvre le garde-robe. Qu'est-ce qu'il y avait dans le garde-robe? La boîte flambant neuve de Ouija. Là, j'ai dit à ma mère, t'as-tu acheté une table à Ouija? Elle dit non, c'est ta table que je t'ai donnée Noël passé. Là, je me mets à shaker, man. Mais la table, je l'avais brûlée avec la boîte. Le lendemain, la boîte, je la trouvais intacte. Dans le garde-robe avec le Ouija, la table intacte. Puis le manche à Ouija plein de marde avec la petite vitre qui était fondue qu'on avait brûlée était intacte aussi. Fait que là j'ai dit oui, ah ouais, j'ai dit, j'ai appelé mes chums, j'ai compté ça, ils me croyaient pas. Puis là j'ai dit venez chez nous à soir, on va jouer à Ouija. Il dit quoi, t'as acheté un autre table? J'ai dit non, j'ai dit la table est revenue, les fantômes sont pas contents. Comme Dan, quand vous l'avez tué, Dan est revenu, Dan Daman, pis apparaît dans la TV avec ses bonhommes, pis va tout vous tuer, Dan, vous êtes mort, c'est le Ouija fantôme, démoniaque, Satan, personne de Dan, avec de la poudre, man, pis de la freebase. J'ai même une chainsaw, mon boy, man. J'm'en viens vous détruire. Vous êtes fini, vous êtes mat, vous êtes mort. Gatti, may live, buddy, man. On va vous faire, les fantômes vont vous détruire. Veux-tu de la poudre? M'attendez-les, moi, de la poudre. Pour l'éternité, R.I.P. Arturo Gatti.